Allez. Bon, il serait peut-être temps que j'explique quel est le fuck. Alors, quel est le fuck? Surtout que j'avais dit que je devais faire du speedrun, que voilà, genre j'étais déter pour. Alors oui, j'étais déter. Ça veut pas dire que mes plans ont changé du tout, non. Ça veut juste dire qu'en ce moment, c'est pas le moment pour que je me lance là-dedans. J'ai pas vraiment la tête à grind quelque chose. Pour de multiples raisons. Déjà, je suis un peu à fond sur Destiny 2 en ce moment, j'avoue. Et aussi de deux, ben voilà, par souci personnel qui m'empêche, on va dire, d'être vraiment motivé et à fond, à 100% sur le speedrunning, parce qu'il faut être vraiment accroché hein, quand même pour grind et être le plus efficace possible. Et j'ai pas la tête à ça. J'ai pas la tête à ça. Je vais pas me voiler la face. On repousse ça pour l'instant. Ça veut pas dire que c'est repoussé à jamais ou alors à 2022. Non, non, ça se trouve, genre en décembre, ça commencera. Je sais pas. Le truc, c'est que le confinement me fout un peu mal. Et du coup, ouais, c'est pas fou, quoi, déjà. Donc déjà, pour Wolfenstein, c'est dit. C'est pas annulé, c'est repoussé. Ensuite, pourquoi Last of? Alors déjà, pourquoi via la PS4? Parce que j'ai la flemme de config mon Elgato, parce qu'il faut savoir que l'Elgato, il y a un délai. J'ai le Elgato HD 60, j'ai pas le HD 60S, je sais plus pourquoi je n'ai pas pris l'HD 60S, mais c'était pour une raison évidente, et que je ne sais plus. Bref. Et le truc, c'est que ben, il y a un délai et l'input délai sur OBS, je me souviens plus du tout. C'est quoi? Et plutôt que me faire chier, et plutôt que d'avoir la voix décalée plus ou moins et ça nique complètement tout, en fait, j'ai décidé juste de streamer via la console. De toute façon, je me suis dit, en fait, de base, bah ça, on joue à 30 FPS, donc nique sa mère, c'est le stream à 30 FPS. Il s'avère que le jeu en fait est à 60 parce que ben oui c'est le remaster, hein, on est sur le PS4, by the way. Il est temps que je fasse ces jeux, comme vous voyez dans le titre, parce qu'en fait mon intérêt principal surtout c'est Last of Us partout. Il y a énormément de débats sur ce jeu depuis qu'il est sorti en fait. Beaucoup de gens disent que c'est un chef-d'œuvre incroyable, que c'est le meilleur jeu vidéo jamais sorti. D'autres pensent que c'est juste un jeu overcoté de plus, et certains pensent même que ça détruit un peu, on va dire, l'héritage Last of Us 1. Donc on va voir ça. Moi j'ai vu le jeu de mon côté, j'avoue, j'ai vu les deux jeux de mon côté en fait, parce que bah, j'expliquerai après. Mais d'y jouer c'est pas pareil que de les voir, évidemment. Et en fait, il s'avère que Last of Us 2 a tout déchiré hier au Joystick Award. Et pour moi, ben en fait, ben le but c'est de savoir est-ce que c'est vraiment mérité ou est-ce que c'est vraiment juste de l'overhype de la part de la critique. Parce que vraiment, genre encore une fois, je l'ai souvent dit, les tests JV, c'est jamais à prendre avec sûreté. Parce que ben un mec peut juste complètement overhype le jeu pour de multiples raisons. Parce qu'il aime bien le studio, parce qu'il aime bien le jeu, etc. Un mec peut très bien foutre 13 sur 20 à Doom 2016 parce qu'il y connaît rien. Alors oui, je tacle toujours autant et et je ne m'arrêterai jamais. Faut que je crève pour que je m'arrête à tacler ce fameux Dafran. Donc oui. On est sur un délire plutôt voilà de voir ce que donnent ces jeux et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, pourquoi je dis que c'est une redécouverte? Simplement parce qu'en fait Last of 1, déjà avant que le 2 sorte, j'ai essayé de le faire parce que j'entendais que du bien de ce putain de jeu. Et le problème, c'est que j'ai décroché pour une raison assez évidente, qui est que l'histoire a l'air phénoménale. Les personnages sont vraiment incroyables. Mais en termes de gameplay et surtout de level design, ben putain, même Rayman 3 fait mieux.
C'est mon avis après, mais honnêtement, les plateformeurs des années 2000, enfin, c'était bien en 2000, quoi. Et j'en avais ras le cul de voir tout le temps la même putain d'échelle, la même putain de planche, il y a un moustique qui passe en fait sur le près de la fenêtre, j'ai cru qu'il était sur mon écran, j'allais péter un câble. Mais ça va. Donc ça m'a fait complètement décrocher du jeu. Mais absolument décroché, je vais pas mentir, j'ai juste pété un câble, il y a un niveau, j'arrivais pas, j'ai dit ça me saoule. Et le jeu il a pris la poussière à peu près pendant plusieurs semaines, j'ai été rendre à mon pote, j'ai fait c'est rien que je le garde, je le finirai pas. Donc tant pis, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Last of Us 1, on va faire Left Behind par la suite, qui est l'extension avec Ellie. Et ensuite on ira faire Last of Us 2. Si possible, finir tout ça avant le 10 décembre, les Game Awards. Et après tout ça, je ferai un bilan honnête de Last of Us 2 et de Last of Us 1. J'ai déjà ma petite idée en tête, évidemment, parce que comme j'ai dit, j'ai vu les jeux. Mais encore une fois, jouer et voir, c'est pas pareil, on n'a pas la même expérience. Mais, alors aussi, je tiens à dire que, évidemment, j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à Last of Us 1. Et j'ai beaucoup d'appréhension par rapport à Last of Us 2. Mais on va dire que je me suis fait un lavage de cerveau. Évidemment, je tiens, on va dire, à neutraliser toutes ces vilaines pensées que j'ai. Et enfin, pour le 1, ça va être compliqué parce que je sais tout bien que le level design est chiant. Donc on va essayer de passer outre, on va essayer de se forcer. Ça serait bien que Renzo soit là. Au cas où je suis perdu, comme ça je ne me frustre pas sur un level design complètement pourri. Et puis comme ça je peux découvrir ce jeu, découvrir le DLC, et puis après passer à TLO 2. Voilà. Bon. Bref de bavardage, j'en ai ras le cul de parler. On va mettre le casque. Sur l'oreille, dernier check de Discord quand même. Et c'est parti. The Last of Us. Alors c'est vrai que sur la PS4, il y aura beaucoup cet écran bleu. J'espère que les cinématiques sont pas floutées. Sinon c'est très chiant. Et je m'en excuse d'avance. Mes lunettes sont dégueulasses. Mais je retrouve pas la boîte pour les rincer, donc c'est pas grave. Bon, je vais me taire. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ok, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatigué pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Chérie, c'est gentil, mais je crois qu'elle s'est arrêtée. Quoi? Non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Bonne nuit.
que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Je suis tellement pas prêt pour cette intro de merde. Parce que je sais très bien ce qui va se passer. La sensibilité est chelou. Évidemment, j'ai pas joué à la manette depuis des années. Alors, ça va être compliqué. Oh mince. J'ai oublié de lui donner ça. Comment on interagit encore? On peut? Ah. Oh. That's cute. Bon. Ça me fait bizarre de jouer à la console déjà. Allô ? C'est pas qu'il marche pas, c'est qu'il s'appelle personne. Bon, c'est pas. Dawn of the Wolf. Ok. The Bash. On me dit quelque chose, c'est un vrai groupe ça? Je sais pas. Non, je crois pas. Je voudrais pas. Bref. Bah. Papa? Je suis pareil le matin. Je suis un zombie. Hein. Putain, enfin une porte. Alors, savoir un truc, ça me frustre. Les portes qui s'ouvrent que dans un sens. Enfin, je sais pas comment dire. Par exemple, Resident Evil 2 et 3 ont ce syndrome des portes qui s'ouvrent dans le sens où tu vas. Alors techniquement, au niveau gameplay, ça sert, parce que du coup, t'es pas coincé par une porte de merde. Mais d'un autre côté, je sais pas, niveau cohérence, moi ça me flingue. Alors vous me dire, c'est rien, je suis d'accord, mais je sais pas. Explosion des admissions dans les hôpitaux de la région. 300% d'augmentation suite à une mission d'infection. Ah bah le Covid, hein. Et c'est de récolte quand la menace s'allonge. Les femmes hystériques tuent son mari et trois autres victimes. On peut tourner ou... Non, ok. Papa. L'autre elle lit ça et puis elle se pose pas de questions. Bon. Tu es là ? Qu'est-ce que t'es passé ? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité et... Évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. C'était quoi? Oh non. Wait, alors, comment l'explosion peut d'abord apparaître en direct, papa, puis après apparaître là? Là, y a la logique, elle est de moins 1000, mais c'est pas grave. On chipote, on continue. Papa ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah l'apocalypse, hein. T'as... J'aime beaucoup comment ça dégringole d'un coup, en vrai. Cette intro est vraiment bien, hein. Je peux vraiment pas dire le contraire. Autant le jeu est critiquable sur tous les aspects, mais celui-là, je peux pas. Objectivement parlant, évidemment. Il t'appelle en absence. Et où est-ce que t'es ? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. On my way. Daddy. Daddy cool. Où est-ce qu'il est ? Mais elle a quel âge là ? Collège ? Je dirais... C'était 6ème, 5ème ? Je sais pas. Ton chien est mort, lol. Gros bâtard. Ah mais l'autre il est ouvert comme un gros con. Te voilà. Sarah, tu vas bien? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu? Non, quelqu'un devait passer.
N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les Coopers. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie? Putain! Jimmy! Papa! Chérie, viens là, viens là! Jimmy! Jimmy, je te préviens! Non! Allez! Allez! Sarah! Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris? Oui. Tommy, allez! Allez! Ton téléphone! T'es au courant de ce qui se passe dans le coin? T'as du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tire-moi des mains. Il paraît que la moitié de la ville a perdu le codage. Laisse-moi te regarder, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie? Ça va. T'as allumé la radio? Ouais, bien sûr. Merci. Smooth Operator. Pardon, pas de radio. Non. RIP. Les journalistes s'arrêtaient plus. Ils ont dit où aller. Ils disaient. On réinstalle des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Traverse. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. On l'a 60-61. C'est la journée. Ils ont dit le nombre des morts? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Il y avait du sang partout, des tripes, elles sortaient du bide. Un massacre. Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est, de la côte ouest. Je viens du sud. Pardon. C'est juste que je sais ce qui va se passer, ça me détruit d'avant. Et par tous les chemins, j'y reviens. C'est sympa par contre que la petite tourne quand tu tournes la caméra. Ça c'est cool, ça c'est les détails qui tuent. D'accord. Non, non. Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Pourquoi j'ai pas entendu le stop? Ce jeu est vraiment horrible pour de multiples raisons. Alors attendez, il y a un truc qui me saoule déjà. Ah, option, j'avais pas vu. Alors. Bam. Bam. Voilà. Comme ça, les dialogues, on s'entend un peu mieux, quoi. Oh shit. Recule, ma puce, recule.
suis là, chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal à la jambe. Mal comment? On va devoir courir. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. Quoi, il y a des dialogues que j'entends pas? Pépé! Allumé! Cette porte vite. Oh putain là. Il y a des dialogues qui sont décalés. Sympa ça. Je peux pas courir plus vite et... Ça va chérie, c'est fini. C'est fini. Hé hey, on a besoin d'aide. Stop! S'il vous plaît. C'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde... Je vous en prie. Sarah! Ok, enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah! Chérie! Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. 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 Pitié. Oh, Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Ok, j'avoue que c'est un trop me fout toujours autant que cafard, par contre. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger nos citoyens. Désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours.
Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. J'avoue que cette intro fout toujours autant le cafard, par contre. Enfin, bref, voilà. Hey. Alors, je sais ce que ça veut dire summer. Respecter un peu mon anglais, quoi. Je sais que je suis nul, mais. Ils ont vraiment pas adapté les... Ouais, j'arrive. Bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. Tu te demandes pas, hein? Putain. Une nouvelle intéressante pour toi. T'étais où, Tess? J'étais dans la Tess. Combien de livraisons à faire? Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seul, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Qui est dégueulasse de dormir avec ses vêtements de tous les jours, là. T'as son pieu, il doit sentir... Tout sauf la rose, hein. En effet. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. T'es sérieuse? J'ai reçu les foutus papiers ce matin. J'ai été choisie pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai à leur dire. Et toi, Joël, on t'a déjà appelé pour ce sale boulot? Non. Ouais, c'est sûr. Ok. Intéressant. Seek the fire. Ok. Je me demande toujours comment ça se passerait si jamais ce genre de truc se passerait vraiment. Et déjà avec le Covid c'est pas très rassurant, alors si un truc d'une plus grande ampleur venait à se passer, j'ai très peur. Honnêtement, je prendrais mes clics et mes claques et j'irais de mon coin, hein, aussi. Hein. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. Mais bah. Nous ai eu de nouveaux papiers. On ne devrait pas avoir de problème là-haut. Surtout, reste cool. Mais bon, circulez.
Quoi, il y a un camion ? Ah non, il est à côté. Est-ce qu'il y a par contre un choix ? Je suis désolé, je suis chiant. Ah, c'est chiant. En fait, parce qu'en fait, le problème, c'est que normalement, dans certains jeux, t'as un choix si tu veux les dialogues juste des dialogues principaux ou un dialogue, enfin des sous-titres de tout. Et là, le problème, c'est qu'il y a les sous-titres de tout et ça me perturbe. Il y a tout qui s'enchaîne à une vitesse. Après, c'est surtout si je parle en même temps que je mets les sous-titres, j'ai l'habitude. Hein, voilà. Mais des fois, j'entends rien. Oh là là, ce tuto forcé. Et là, on peut sprinter. On dirait que la voie est libre. Attention, le poste de contrôle 5 est fermé jusqu'à. Ah, il y a un souci avec l'audio de ce jeu. Hein. Je maintiens. Ça aurait été trop bon. Rafistale-toi, ok. Ah, faut maintenir. Les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur. Ou alors, on laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Et Tess, t'as vu ce bordel ? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel est ? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez ? On va rendre visite à Robert. Vous aussi ? Qui d'autre s'intéresse à lui ? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène ? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert ? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité, je sais pas où il se planque. Et puis de toute façon, je préfère la rousse. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord ? Pardon. L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Salut les gars, comment ça va ? Ça commence à être le bordel dehors. Non mais ça se voit qu'il y a un trou dans le mur. Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça ? Tu te démerdes. Faites attention à vous, là-bas. Oh, sans peste. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Une lampe torche, s'il te plaît ? Merci. Allons prendre notre matos. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas alors. R2 pour recharger. Fais-moi grimper. Oh, mais je te monte quand tu veux. Voilà, et c'est ça qui m'a saoulé. Dans ce jeu, tous les 100 mètres... Bon, j'abuse, hein, évidemment. Mais tous les niveaux, t'as au moins 3 échelles à déplacer, 2 planches de bois à déplacer, plus ce genre de truc contextuel, enfin... Que t'en mettes de temps en temps, c'est bien. Mais que t'en mettes un toutes les 2 minutes, c'est chiant. Et c'est ça qui m'a vraiment décroché du jeu, par contre, genre, vraiment. Alors après, on va me dire, ah, mais il faut peu pour te décrocher d'un jeu. Moi, je suis un mec du gameplay, en fait.
C'est-à-dire que... Ça veut pas dire que l'histoire, je m'en fous, parce que Last of Us, genre... Le truc qui m'intrigue le plus et qui m'a vraiment... Enfin, dans un sens, plu quand j'ai regardé le Let's Play, c'est l'histoire, quoi. Mais... Si le gameplay, il arrive pas à suivre, j'aurais du mal à accrocher. On est ici depuis un bail. On dirait un rancard. Ouais, ben, je suis déjà en romantique. Pas d'autres atouts. Ouais, mon énorme bite. Le romantisme. Elle est où l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Dans ton cul. Voilà. Ah bah voilà, fallait forcément. Regarde, genre là-bas. Gameplay contextuel. Gameplay contextuel. Et là, on parle d'une échelle pour monter là-bas. Donc, voilà. Tuto, comment le jeu va se comment les niveaux de ce putain de jeu vont se passer durant les prochains niveaux. C'est simple. Tu vois cette échelle. Tu vois un trou dans le mur. Tu vois. Il te faut une échelle. Tu prends l'échelle. Tu la mets contre le mur et tu montes l'échelle. Après, je suis sûr qu'on va avoir le truc avec la planche aussi. Voilà. Honneur aux dames. Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. C'est vrai, on dirait plus un mec. Hein. Par ici. Toi, je dis pas un mec physiquement, mais je parle en termes de caractère. Après, c'est vrai que bon, l'apocalypse, ça forge un peu un caractère. Enfin, tu peux pas te permettre d'être. d'être laissé avoir partout. Hein. Sinon, je pense que t'es un peu mort. Hein, mais. Tiroir vide, évidemment. On sait jamais. Ah ah, je vois un truc qui brille. Ça brille. Pendentif des Lucioles. Okay. J'aime bien quand t'interagis et que ça ouvre ton sac à dos. Metro Exodus faisait pareil en vrai. Pas que je dis que ça. Enfin. C'est juste que je trouve ça. C'est cohérent dans un sens. Cohérent. Tu crois que Robert a toujours nos armes? Mais pareil, ça sert le gameplay. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Ben, on voit Bill le mois prochain. A priori, on aura. Par contre, la lampe torche qui s'allume avec la pensée, c'est un peu chiant. Des sports. Quoi ? Sport ? Le jeu ? Merde. Pardon. Faut que j'arrête avec les blagues, hein, sérieux. Si je t'ai fatigué, ça. Et quand je suis fatigué, je fais des blagues encore plus pourries que de base. Il y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Comment on fait pour viser dans le jeu, alors? Ok. Ça va être rigolo. J'ai pas joué à la manette depuis des... Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Par ici. Doucement. Putain! Attention, attention! Aidez-moi. Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis gentil. Alors oui, c'est dans ces conditions, c'est de la gentillesse. Hein. J'aurais bien aimé une conséquence, genre... Tout de suite, maintenant, tu vois. Genre j'ai tiré, j'ai fait du bruit. Donc amène-moi une conséquence. Genre je sais pas, un zombie directement, tu vois. Genre... C'est un peu dommage, je trouve. Tu vois, genre, parce que techniquement, genre,
Personne n'aurait tiré sur le gars, il serait juste barré. Parce que déjà Eden c'est stupide, ça fait du bruit, ça gâche une ressource inutile. Enfin, il y a rien de bon à cette solution que j'ai, hein, vraiment. Mais je l'ai faite, alors j'aurais pensé qu'on m'aurait fait regretter tout de suite. Ça c'est fumé ça par contre. Genre ça marche d'étrangler un zombor. Genre ça marche d'étrangler... Vraie question, genre ça marche d'étrangler un zombie. Merde, ils sont deux. Y'a pas un truc à acheter pour faire 10... Non, y'a pas. Bon, on va essayer de passer, hein. Est-ce qu'ils ont... Ça passe. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, ça yolo très fort du côté de Tess. Ok. On n'est pas sorti de l'affaire encore. Bon, on les a tous eus. Non. J'espère bien. Allez, on retourne en ville. Ah, enfin, un peu d'air frais. Ça c'est moi après avoir enlevé le masque quand je suis rentré. T'auras qu'à demander du désodorisant à Bill. Par ici. Couvre l'entrée. C'est bon. Ça sert à quoi de couvrir l'entrée alors que techniquement personne n'est censé aller ici en fait? Non, enfin. Je sais, j'ai compris que pour grimper. La planche est tombée. Oh! Mais qu'est-ce que je disais? Le fameux tuto avec la planche! Ouais, j'y vais. Ça! Quel plaisir! Regarde. Sauf que cette fois-ci, il faut pas amener la planche au lieu, mais il faut la donner à Tess pour qu'elle la mette. Vas-y, genre. Passe-la moi. T'es où, hein? Et c'est ça qui m'a tué l'envie de jouer au jeu. Voilà. Tout simplement. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Ah putain, il faut vraiment que je prenne une chaise. Que j'ai mal au dos et au cul. Hein. Ramène tes fesses, on y va. Quelle autorité? Je peux tomber? Non. Cool, bonne chose à savoir. Bon, le tuto de la planche est venu un peu plus tard que prévu, mais il est venu quand même. Ah. Ça, c'était au cas où j'étais débile et j'avais pris des coups. Sauf que vu que je suis trop fort, bah j'en ai pas pris. Et j'ai pas gaspillé une balle, enfin si, sur la tête de l'autre. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. C'est bon, on y va. Buffalo Soldier... In the heart of America, stolen from Africa, born to America. Na 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 na.
Ah, je suis d'humeur à chanter. C'est gentil, merci. Je suis d'humeur à chanter. Ça va partir sur un petit SingStar à la fin, MDR. Pas du tout. Le mec, il stream du SingStar en 2020. C'est pas YMCA, hein, c'est DMCA. Pourquoi c'est écrit en rouge alors que je peux les prendre, ces putains de munitions, ça n'a pas de sens. J'ai pas un succès pour avoir tué l'autre. Regarde si la voie est libre. Pas de soldat, pas d'homme de Robert, ok? Tu sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. C'est bon. Wait, attends, il a tapé où? Pour que ça fa... Test, et ma belle, comment ça va aujourd'hui? Pas mal d'intérêt. Non, c'est bon, j'ai la carte. Maintenant, t'as compris. Ok, je peux le faire. J'essaie de chercher quand même des collectibles. Je me sens regardé. Si tu touches, tu payes. Ok, gros. Comme toi. Qu'est-ce qu'il veut ce connard? Et du coup après je lui ai fait une prise de catch à me dire. Qu'est-ce que tu veux? On rate du tout. Cherche des collectifs. Oh. Brouillon d'avis. Fuck this. Ce type stocke tout un tas de conneries dans cette usine. Wow, attends un peu. Ouais. La fameuse Marlène, je suppose. Je cherche Robert. Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. J'ai essayé de jouer. Genre, la manette sur le bureau. En fait, le truc, c'est que j'ai mal à l'épaule parce que ma manette, je la. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre ma manette, bah je pose sur mes jambes en fait. Mais vu que je suis pas sur une chaise, sur une chaise de merde, bah ça me fait mal au dos. Alors je vais essayer de jouer comme ça, ça me paraît bizarre as fuck, mais peut-être j'aurai moins mal. Bon, pour un mal de cul par contre, ça c'est pas possible. Normalement là c'est le premier fight si je dis pas de conneries. Faut qu'on passe. On vous fera pas de mal. Juste Robert. Ne faites pas ça. Hors de question que je parte sans Robert. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez ici immédiatement. Planquez-vous. T'es prêt? Je te couvre. Ouais. Élimine-le. Ici. Oh. Bien joué, le Texan. Bon. Toi aussi. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose.
Bon, en effet, j'ai moins mal à l'épaule, mais... C'est vraiment bizarre. Aide-moi à monter. Allez, encore une action contextuelle. Sympa. Donne-moi ta main. Gros. Gros. Putain, que j'en savais qu'il fallait que j'appuie sur une touche. Joël. Encore des gardes Robert. Comment tu sais qu'ils arrivent? Je vois. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. Laisse-moi bouger! Avance, avance. Oui, ouais. Oh mec. You are so dead. Ça passe. Passé par Jordan Street et tout un tas de soldats ont débarqué avec 5 civils avec des menottes au poignet. Chut. Tu deviné. Des lucioles? Ouais. Ils ont allumé contre le mur et. Non. Ils ont tous exécuté. Sans sa face. Ah non, c'est beau! Oh putain! Oh non, mais c'était tellement comme un con derrière! Oh merde! C'était rigolo drôle. Ça a brillé là! Ah, c'est une texture qui est. D'accord. J'ai rien dit. Tiens, je mange un snack. Petite barrette de Twix. Ouais, c'est pour ça que tout le monde est gros. Tous les jeux vidéo arrêtent pas de dire si vous mangez, vous régénérez la vie. Ça se trouve, les mecs ils se font bobo et puis ils décident de se taper un couscous histoire d'avoir plus mal. Hein. Non, t'inquiète les gars, je suis un ninja. Oh oui, une bouteille, ok. Là les vraies choses commencent. Mais... Je sais que t'as très envie de mon corps, mais arrête de vouloir te faire du cholestéral avec moi là, putain. On peut pas. Parce qu'en fait, j'essaye à chaque fois d'appuyer sur croix pour me dire bah je me fous à couvert, mais. Comment on se fout à couvert? R1? Ah, j'ai peur d'appuyer. Non. Oh, lui il tourne son dos. Oh, il me donne son cul. Oh, le bouboule. Le boule. Oh. Ok. J'ai beaucoup de balles. Heureusement que t'es là. Je sais. Je suis un ninja. J'ai plus la bouteille? Ah si, elle est là. Donc du coup, le système de cover, c'est une cover auto. D'accord. Je prends note. Et du coup, attends. Si. Ok. Ouais. C'est... Waouh, on verra. Ouais. J'ai quand même penché la tête en vrai pour voir s'il y avait personne. On est à un niveau. Hé! Hey. Quelqu'un? Non. Ok.
quelqu'un en face? Non. Bien joué. Pourquoi ça me rééquipe du flingue à chaque fois? C'est chiant. Par contre, la clé, elle sert à quoi? Le surin est une arme furtive qui permet de tuer plus rapidement ou discrètement que l'étranglement. Approcher de son ennemi, un truc. Aller sur triangle pour utiliser le surin. L'utilisation du surin est limitée. Lorsque sa durée de vie est écoulée, il se brise. Augmenter sa durée de vie en trouvant des manuels d'entraînement. Donc c'est uniquement s'en servir quand j'ai pas le temps. Quand j'ai pas le temps de niaiser. Oh! Genre là. Ok, donc j'ai le droit qu'à une bouteille. Oh shit. C'est ta mère. Comment il m'a vu? Oh. C'était pas la tête ça? Pardon! Putain, c'est quoi ta marque de céréales là? Parce que. On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. Mais non, t'inquiète, range. Il nous aurait ralenti. Ouais, t'as raison. Comment il m'a vu par contre? Ça n'a pas de sens. Les clés sont par là. On y va. Mais comment il. Je veux savoir comment il m'a vu. Oh, tu m'as lâché une tablette de chocolat. Ah non, c'est des munitions. J'ai rechargé mon arme. Ok. Eh ho. J'ai appris qu'il y avait Metro 4 qui se faisait. Metro, super série et post-apo aussi. Hein. Si vous connaissez pas, foncez. Hein. Avec les mamans, bordel de cul! Oh là! Ah oui, d'accord! Mais... Ok, il y a un certain niveau de yolotisme de la part de. Allez, on se fait pas repérer cette fois. Pas besoin de réfléchir, je suis un ninja. Opération Ninja! Merde, j'aurais dû le trimballer dans la putain de truc. Arrête de m'appeler Texas, putain! Je préfère le Colorado. Ah! Je peux prendre qu'un seul des deux trucs, d'accord. Chaque fois qu'elle m'appelle PS Texas, ça me rappelle Texas Granger, le personnage de Benzaï, là. JPP. J'ai vu des mecs à droite. Donc on va essayer de contourner. Tess, putain, tu casses les couilles. Je déteste les personnages qui viennent et qui te dérangent pendant ta phase. Je déteste ça, genre ça me frustre. Genre en vrai, il y a un truc à faire là. Mais non. Je vais faire le bac là. Histoire de voir s'il y a vraiment son père. Putain, je suis aveugle. J'ai bien un kit de soins. Ouais, ok. Au cas où ça dérape. Tu veux pas. Oh, ça c'est intéressant ça. C'est-à-dire que l'autre dans l'entrepôt il est tout seul. Tu ne viens pas ici.
ne viens pas par là. Yeah, ce qui serait sympa aussi, c'est que genre je prenne la liste des jeux de 2021 qui m'intéressent le plus. Et que genre je... Hey, c'était quoi ? Fais attention ! Et que genre tu sais, genre je décide de faire les jeux d'avant. Histoire de me remettre... Genre j'ai déjà un jeu qui m'intéresse, c'est Shadow Warrior 3. Et sa mère. Putain. Oh. Ah. Mais y'a pas moyen d'esquiver. Ah. Oula. C'est pas assez loin ça. Y'a pas d'alalité dans ce jeu. T'es pas accroupi, c'est la merde. Ah. Tressaillement, quand tu vises comme ça. Tressaillement accroupi. J'ai l'impression que... Ouais, il est plus rapide en fait. C'est tout ça le problème. Elle est où ma batte? Je l'ai déjà brisée. Ah non, c'est... Ok. Je pensais qu'il fallait l'équiper avant de taper. Non mais c'est bon. T'as des bastos toi. Le bureau là. Robert a dû s'y réfugier. On y va. Quand même me soigner. Réfugié, il est plutôt en train de s'enfuir, ouais. Reculez, bordel ! On veut juste parler, Robert. On a rien du tout à se dire, putain ! Baisse ton arme ! Allez vous faire foutre ! Ivar ! Robert ! Il s'est réfugié ici. Toi, si je te chope. Il y a pas de fail à voir. Je vais la voir. Fuck, cul de sac de. Salut Robert. Tess, Joël. Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Ouf. Oh, c'est pas normal. Tu nous as manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Oui. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer. Je dois... Ah oh, merde. Ah, stop! 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 Arrête de gigoter. Tu disais ? Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes ? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah. À nos armes. C'est les Lucioles. Je les ai vendues aux Lucioles.
quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des lucioles. On va les chercher. C'est vraiment une idée de merde. Deux balles. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une luciole. Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. Tu tombes à pic, toi? La reine des lucioles. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. Business. Oui, Robert. C'est con. Hein. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. Mmh. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Pourquoi ça shake comme ça? D'après ce que je sais, mais vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y aller. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Ah, oh, j'ai trop mal aux fesses. On doit partir d'ici, maintenant. Si vous êtes parfois, il faut qu'on bouge. D'ailleurs, on bouge, là. C'est par là. Je connais un autre chemin. Venez. Putain, pour quelqu'un qui est blessé au bide, tu te déplaces quand même vachement bien. Après, je dis ça, je dis rien. Même moi non blessé, je me déplace pas comme ça. Avec mon gros sac de bide. Il y a des explosions partout. Mais en fait, c'est Michael fucking Bay le jeu, quoi. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Ah merde, c'est vraiment par là. Putain, je suis devant. Bon, par contre, c'est chiant de spammer triangle pour prendre tout. Y'a pas moyen de... Genre en maintenant de tout prendre? Parce que j'aime pas les jeux où faut spammer pour prendre des items par terre. Joël, donne-moi un coup de main. J'arrive! Pourquoi moi, en fait? Ah merde. Tu permets que je fouille. Fouillam. Non. Ah. Stop. Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. Moi j'ai un style, madame. C'est le style que j'appelle YOLO. C'est, je tente d'être discret, ça passe. Tant mieux, ça passe pas. Bang bang, bang bang. On doit atteindre cette porte. Ok. Ok. Eh ben. J'allais dire, c'est facile, faut aller tout droit, mais... J'ai d'un manque-nom que c'est pas facile. Pourquoi vous courez plus vite que moi?
Je prends celui-là. Faites le tour pour l'autre. Ok. Ok, meuf. J'ai compris. Je pense que je vais me faire serrer. Nice. Bien, pas de bruit. Ok, soyez prudents. Ah, je sais pas. Genre. Ils sont en force aujourd'hui. Je pensais par exemple à Wolfenstein pour commencer. Wolfenstein 3 va sûrement arriver l'année prochaine. T'entends pas l'autre. Quoi? T'as tiré sur qui? C'est qui a tiré là? Ah, il y a un mec de plus prévu dans le plan là. Ça marche, moi ça me va. Je m'attendais vraiment à ce qu'il se retourne, hein. Mais alors vraiment à ce qu'il se retourne. Mais non. Moi ça me va, hein. Ça me facilite la tâche, hein. Bon après les IA bien faites, enfin je critique les IA bien faites, c'est rare. Hein. Je sens que l'autre il va monter au moment où je descends. Comment on fait pour changer d'épaule? Ma planche, elle s'est pétée contre la... Je le sentais, hein, que l'autre il allait monter au moment où je descends. Où est-ce qu'on va, Marlène? Par ici. On n'est plus très loin. Ok. Comment tu te sens? Plus pour longtemps. Mais ça va aller. Comment ça, plus pour longtemps? Tu vas claquer comme ça, non? Eh hey, un coup de mercurochrome, c'est bon. Pansement des héros. Le couvre-feu est désormais en vigueur. Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. C'est quoi la marchandise? Je vous montrerai. Imagine en France, ça va être pareil. Jour, nuit. Et. Joël, donne-moi un coup de main. T'as vu, j'ai flashé pour toi. Bon. Oh, faut que j'arrête. Putain. C'est quoi cette porte de merde là? Attends un peu. Relève-toi. T'approches pas d'elle! Lâche-la. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une missile. Oh, merde! Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste... Ellie, c'est notre seule chance. Hé, hey, c'est elle qu'on fait sortir? Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes.
Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une bonne idée. La merde, je fais pas avec lui. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Je vais faire une pause après ça parce que mon cul va exploser sinon. Et puis même les oreilles aussi. Donc Bah. Oh, j'ai entendu les tirs, mais... C'était quoi? Les Lucioles. Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. C'est toi l'expert. Moi, je te suis. Pour l'instant, je suis à fond dans le jeu. Donc ça, c'est positif. Après, comme j'ai dit, c'est pas tout de suite que j'avais pété un plomb. J'ai raté un épisode là. Attention. Toute personne cachant ou aidant des criminels recherchés est passible de mort. Ne prenez aucun risque et signalez toute activité. Ah, par là. J'avais prévu. Ça me semblait un peu débile de passer dans la rue principale alors qu'il y a le couvre-feu, de toute façon. Le tunnel nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut? Avec le énième tuto pour non pas une planche ni une échelle, mais une poubelle. Voilà. T'arriveras à monter ou faut que je t'aide? Non, c'est bon. Quoi entre toi et Marlène, au juste? J'en sais rien. Je suppose qu'on est amis. Amis? Alors comme ça, t'es amie avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans? Elle connaissait ma mère et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où? C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Alors au lieu d'aller sagement à l'école... Tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça? Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot? J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez, toi et tes potes. Tant mieux. Bien. C'est ici.
que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi? Bah, tuer le temps. Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. Tu sais, j'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. C'est raciste, ça. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai? Qu'est-ce que les Lucioles te veulent, au juste? Hé, hey, désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène? Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt? Ouais. Allons-y. Part déjà? On peut pas attendre le lendemain. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire elle-même. Il n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Vu comme ça, c'est vrai que t'as pas tort. Les gens, je vais faire une petite pause. Sinon mon fessier va exploser. Et puis même mes oreilles, je vais enlever un peu le casque. Il faut que je prenne l'habitude de toute façon de faire ça. Donc je reviens dans 5 minutes. Et puis non, je reviens dans 5 minutes. Voilà, c'est tout.